Samedi 17 octobre, grand meeting à Grand Bassam. Le RHDP a démontré sa vivacité et sa force de frappe dans le sud Comoé. Ils étaient là, autorités coutumières, élus, cadres, hommes, femmes, jeunes et même personnes du troisième âge pour manifester leur soutien au candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le président Alassane Ouattara. Le directeur national de campagne, le ministre d'État Patrick Hachi, a exhorté les militants et les habitants de Grand Bassam à sortir nombreux le 31 octobre pour voter Alassane Ouattara, le candidat de la Côte d'Ivoire solidaire, unie et meilleure. Nous avons une Côte d'Ivoire qui est tombée dans les bas-fonds en 2010, qu'on a ramassée par terre et qu'on a fait monter jusque là, il est aujourd'hui. Où tous les pays du monde reconnaissent qu'à nouveau, la Côte d'Ivoire rayonne sur le continent mondial. Au moment où on est arrivé là, est-ce qu'on peut retourner en arrière? Est-ce qu'on peut retourner en arrière? Alors nous avons dit au président, président, si tu veux choisir entre nous maintenant, il reste 3 semaines, on va aller aux élections. Si tu veux choisir entre nous maintenant, ça va être compliqué. Celui sur lequel il n'y a pas de débat, si tu dis c'est toi là, nous tous on est d'accord. Si tu dis c'est quelqu'un, on va commencer à discuter. Oh, l'heure est arrivée, il faut aller déposer les dossiers. C'est pas maintenant on va commencer à discuter. Viens, tu vas gagner ça proprement. Et on est à côté, on va continuer avec toi. Parce que le président a dit, mes petits frères, votre tour est arrivé. On dit oui, président. Mais ça là, c'est un coup KO. C'est un coup KO, on ne veut pas l'essayer. Viens, gagne. Et avec toi, nous allons faire de la Côte d'Ivoire un rêve que tu as. C'est nous qui avons dit, pardon, reste encore. On a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, de tes connaissances, de ta science, de tes connexions. Le directeur national de campagne a aussi demandé aux jeunes de ne pas céder à la provocation, mais à avoir un comportement digne et exemplaire tout au long de la durée de la campagne électorale et même le jour de l'élection, le 31 octobre. Lundi 19 octobre, au Yopougon, ce sont des milliers de personnes qui ont pris d'assaut la place CP1 pour démontrer leur soutien au candidat du RHDP pour toutes les actions qu'il a posées au profit des populations ivoiriennes. Le directeur de campagne pour la région du nord d'Abidjan, Gilbert Kafana Kone, les a sensibilisés sur la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale en cette période électorale.